notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous, pour cette heure précise où tu te donnes à ton Père en offrant toute l'humanité avec toi. Merci Seigneur de ce que tu as voulu expirer dans les bras de ton Père. Te supplions humblement de permettre que l'humanité expire dans tes bras. Te supplions humblement, Seigneur, notre Dieu, que tu reproduises parfaitement ta vie comme une décalque divine sur tous les hommes, toutes les femmes de ce monde. Te prions humblement d'ouvrir le ciel et que descende sur nous ta miséricorde. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, Seigneur. Nous te supplions que ton règne advienne sur la terre comme au ciel, selon ta promesse. Béni sois-tu, Seigneur, notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur, Père des pauvres. Béni sois-tu, Seigneur, consolateur des affligés. Béni sois-tu, celui qui est seul capable de relever le faible et de redresser ceux qui sont courbés. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui ressuscites les morts et qui fais revivre les ossements desséchés. Béni sois-tu, Seigneur, toi le maître du temps de l'histoire. Béni sois-tu pour ta présence au milieu de nous, au milieu de la création que tu veux transfigurer par ta divine lumière. Nous te bénissons, Seigneur, notre Roi. Nous te supplions humblement que déverse sur l'humanité maintenant la profusion de ta miséricorde. Et avec ta miséricorde, Seigneur, prépare le terreau pour recevoir ce grand cadeau, ta propre vie, ta vie même, lorsque tu seras tout en nous et nous en toi. Sois béni, Seigneur, pour ta divine volonté. Sois béni pour ta grâce insigne, celle que tu veux réaliser en ces temps. Béni sois-tu de ce que tu es le premier et le dernier. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Sois béni, Seigneur, notre Roi. Sois béni, Seigneur, maître de l'univers. Sois béni, Seigneur, le lion de la maison de Juda. Sois béni, Seigneur, toi la forteresse, toi qui apparais à ceux qui t'aiment par les grâces et les touches de ton amour. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Sois béni. Garde-nous dans ta paix et déverse sur nous ta miséricorde. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô essence jaillie du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi et nous te supplions de nous accorder ta sainte bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Que Jésus vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus sur cette petite radio de la paroisse de Souffel et Reichstätt. Nous allons continuer la méditation des heures de la Passion de notre très saint Seigneur Jésus-Christ et nous commençons aujourd'hui la 21e heure.
dans l'heure qui va de 13h à 14h. C'est la deuxième heure d'agonie de notre Seigneur sur la croix, la première étant celle qui allait de midi à 13h. Frères et sœurs d'amour, c'est pour nous l'occasion de comprendre en méditant ces heures de la Passion qu'une seule chose compte pour Dieu, notre amour pour lui, notre amour infini autant que cela est possible dans son propre amour pour lui. Son amour dans notre amour et son amour à son amour. Voilà. Une fois que son amour rentre dans le nôtre, ce n'est plus notre amour, c'est le sien. Et c'est lui qui s'aime lui-même, qui se donne à lui-même cet amour divin, cette fois-ci, que nous ne pouvons pas comme créature lui donner, puisque nous sommes limités et notre amour est empreinte de fragilité. Nous sommes ici, frères et sœurs d'amour, à un moment donné où Jésus va prononcer une deuxième parole. Disons, dans cette heure de la Passion, de 13h à 14h, Jésus va prononcer trois paroles. La première, c'était la parole « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Aujourd'hui, il prononcera, donc dans la de 21e heure, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». La parole qui dit au larron qui se répand sur la croix. Et la troisième parole, donc, il prononcera, donc, ce sera « Femme, voici ton fils, et Jean, voici ta mère ». Et donc, et la quatrième parole, ce sera « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, et là, ici, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici au cœur du mystère même de l'amour infini de Dieu, qui chaque fois qu'il prononce une parole, réalise un acte de salut universel dans l'humanité tout entière, passé, présent et futur. Jésus, dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses mots, fait retentir le salut de l'humanité entière. C'est ce que nous ne cesserons jamais de dire dans la divine volonté. Et c'est la réalité, frères et sœurs bien-aimés. Jésus est torturé et son amour est brûlant pour les créatures. Il est sur la croix étendue. Son cœur est une fournaise brûlante d'amour qui consume tout sur son passage. Véritablement, des flammes jaillissent de partout et atteignent le ciel, atteignent les créatures. Et les âmes qui sont sensibles à sa grâce se laissent toucher. Et c'est le cas de ce larron. Ce larron qui est à la droite de Jésus. Jésus regarde le larron à sa droite et il va le libérer des tourments de la mort et lui promettre pour la première fois depuis qu'il a accompli l'œuvre de salut, lui promettre le ciel qui avait été fermé depuis qu'Adam avait dit non à la volonté de Dieu. Et désormais, il peut dire à ce bandit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même. » Frères et sœurs d'amour, si on actualise cette parole, dans le contexte de la vie, dans la divine volonté, nous avons une chose de claire et nette et précise. Jésus nous dit à nous, ici, maintenant, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis. Cela ne veut pas dire que nous allons mourir aujourd'hui même. Cela veut dire aujourd'hui même, le ciel entre dans ton âme. Tu deviens le ciel de toutes les béatitudes. Béatitude de ma Trinité, béatitude de ma très sainte mère, béatitude des saints, béatitude des anges, béatitude des archanges, des puissances célestes, des principautés, des dominations, béatitude de toute la cour céleste. Tu deviens un ciel vivant, ambulant. Aujourd'hui, mon enfant, aujourd'hui, Marguerite, aujourd'hui, Paul, aujourd'hui, Pierre, tu seras avec moi au paradis. En fait, il s'agit de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que ces paroles prononcées pour le larron il y a 2000 ans retentissent encore aujourd'hui dans les couloirs de nos cœurs. Et nous disent, voici mon enfant, je viens te donner le ciel, je viens te promettre ce ciel, je viens te le donner, entre dans le paradis. Et Jésus fait, frères et sœurs bien-aimés, cela en réponse encore une fois, à la prière du larron, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume.
Souviens-toi de moi, Seigneur. On dit, pense que je ne suis rien et donne-moi ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, ton royaume éternel. Souviens-toi de moi. Je te donne ma volonté, Seigneur. Donne-moi ton paradis. Donne-moi ton paradis, qui est ta volonté même. Jésus fait la même chose pour tous les nombreux mourants, frères et sœurs bien-aimés. Il veut mettre à leur disposition son sang, son amour et ses mérites, et pour qu'ils entrent dans les mérites de notre très saint Seigneur pour acquérir ce paradis pour lequel ils ont été créés. Et Jésus, tout le temps de sa vie, de ses derniers instants sur la croix, invente des stratagèmes pour toucher le cœur des hommes. Et frères et sœurs, bien-aimés, et cela, le constat est continuel, Jésus va se heurter à la résistance de l'homme, il va se heurter à son refus de l'amour, il va poursuivre l'homme des flammes de cette fournaise ardente d'amour qui brûle son cœur et qu'il veut donner en partage à l'homme, dans lequel il veut consumer l'homme. Mais l'homme fuit continuellement et le tourment devient toujours plus grand au fur et à mesure que l'homme se rebiffe. Il s'agit pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre que la grâce est donnée, elle est donnée, et le Seigneur ne cessera de donner. Il s'agit pour nous de comprendre que l'amour contrarié demande réparation. Réparer pour tous ceux qui désespèrent de la divine miséricorde au moment de leur mort. Et nous prions que le Seigneur inspire à tous la confiance en lui, en particulier pour ceux qui se trouvent dans des situations extrêmes de souffrance pendant l'agonie et qui ont peur de la mort. Et par la parole dite aux larrons, qu'ils accèdent à la lumière, la force et l'aide pour qu'ils puissent mourir saintement et s'envoler vers le paradis. Frères et sœurs bien-aimés, la vérité est là premièrement pour les mourants, mais elle est aussi surtout là, ici maintenant, pour nous. Ouvre ton cœur et laisse-moi venir établir mon ciel en toi, mon enfant. Voilà ce que Jésus dit en disant aujourd'hui, ici et maintenant. Et nous prions avec Louisa que Jésus place toutes les âmes dans son sang précieux pour qu'aucune créature ne se perde. Et que sa voix, accompagnée de son sang, répète à tous, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus d'amour, nous voulons entrer dans ce ciel de ta volonté. Te supplions, Seigneur, accorde-la nous, donne-la nous, Seigneur. Donne-nous ce ciel, Jésus d'amour. Nous te supplions humblement et infuse en nous ton ciel d'amour. Ton ciel, le ciel de ta volonté. Voilà ce que Jésus dit pour chacun de nos frères et sœurs. Il va prononcer la troisième parole lorsqu'il dit à Marie, « Femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. » L'amour, frères et sœurs bien-aimés, du cœur de notre Seigneur est si brûlant, tellement brûlant, qu'il n'arrive pas à se retenir. C'est un amour dévorant, un amour qui consume, un amour qui embrase, un amour qui ne laisse rien sur son passage. Cet amour est si contrarié qu'il devient toujours plus intense. C'est ainsi le principe, frères et sœurs bien-aimés, des digues. Plus on contrarie, n'est-ce pas, le cours d'eau par des digues, plus l'eau monte et s'entasse, et s'entasse, et s'entasse. Et ainsi en est de l'amour du Seigneur qui, parce que contrarié, continue à se faire toujours plus intense, toujours plus brûlant, toujours plus ardent. Et il dit, il répète sans cesse, mon ô âme, ouvre-moi, que je déverse le flot de mon amour. Ouvre-moi, mon âme, ouvre-moi, âme, ouvre-moi ton cœur, ouvre-moi.
Voilà la souffrance de notre Seigneur Jésus. Voilà la souffrance de notre Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, quand il se rend compte qu'il ne peut rien, il ne peut rien d'autre, il a tout donné à l'homme. Il a versé son sang, il sait, il est sur la croix en train de mourir comme un vulgaire brigand. Il a tout donné et qu'il voit que l'amour est contrarié parce que l'homme continue son refus. L'autre stratagème qu'il va trouver, c'est de confier la créature à sa mère. Et ne pouvant donc plus rien donner aux hommes, il trouve son regard, il tourne son regard suppliant vers sa maman. Elle se sent comme pétrifiée par la souffrance de son fils. Et nous voyons ici la communion de deux cœurs, le cœur de Jésus et le cœur de la très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés. Le cœur de Jésus est heureux de savoir qu'il peut donner sa maman aux créatures. En associant Jean à toutes les créatures, il va dire, mais voici ton fils. Femme, voici ton fils. Et à Jean, il dit, voici ta mère. Et selon ce que Luisa nous révèle en ce moment particulier, frères et sœurs d'amour, Jésus va continuer en sourdine sa prière et dit, ma mère, je te confie tous mes enfants, tout l'amour que tu ressens pour moi, ressens-le pour eux. Que tous tes regards et toutes tes tendresses maternelles soient pour mes enfants. Toi, tu me les as donnés, tu me les sauveras tous. Et Marie accepte. Frères et sœurs d'amour, nous ne pouvons jamais mesurer la grandeur et l'immensité de ce don que Jésus fait de sa mère à l'humanité. Jésus va donner ce qu'il y a de plus précieux, le sein qu'il a porté, les entrailles qui l'ont enfanté. Il va donner ses entrailles à l'humanité tout entière, de sorte que nous serons fils et filles de Marie. C'est une inouïe, inuit, unique, inimitable. Dieu seul peut le faire, frères et sœurs d'amour. Nous entrons dans le sein de la très sainte mère et nous avons pour nous, une profonde action de grâce à élever éternellement vers notre Jésus pour lui dire merci, Seigneur, pour ce don précieux. Tu nous as tellement relevés que tu as voulu que nous soyons tes véritables frères, frères, multitude, tu es l'aîné d'une multitude de frères que nous sommes. Merci Seigneur, merci. Et tu nous donnes ta maman en partage. Il n'y a rien de plus inouï, de plus grand, de plus beau. C'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus ait fait à notre humanité. Donner Marie comme mère. Et nous voyons combien cette mère, malheureusement, est piétinée, combien elle est honnie, combien elle est détestée par beaucoup, combien elle est mise en quarantaine, combien elle est bafouée par de nombreux chrétiens, sans compter ceux qui ne croient pas, combien elle est insultée, injuriée. Et nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, elle va demander à Fatima la dévotion des premiers samedis du mois, pour réparer ce cœur tant meurtri par tous ceux qui ne reconnaissent pas sa maternité divine, son immaculée conception, qui ne reconnaissent pas son enfantement virginal, qui ne reconnaissent pas la puissance d'intercession par ses images, qui ne reconnaissent pas sa glorieuse assomption, que toutes ces âmes parviennent à la connaissance pleine de ce plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'homme, la virginale mère, la glorieuse très sainte Vierge Marie, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Frères et sœurs bien-aimés, le mystère est immense. Le mystère est immense. Le mystère est immense et infini.
Le mystère est immense et infini. Le mystère est immense et infini. Merci Jésus, merci Seigneur, merci de tout notre cœur, nous te remercions et te rendons grâce. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, si la possibilité vous est offerte, je vous en supplie humblement, les premiers samedis du mois, entrez dans cette dévotion, la réparation des blessures faites au cœur immaculé de Marie, par les saints premiers samedis, où la très sainte Vierge, notre très sainte Mère, demande la confession, demande la prière du chapelet, demande la communion, demande la méditation justement des mystères du rosaire pendant un quart d'heure en réparation de tous les outrages contre son cœur. Et on obtient non seulement, frères et sœurs bien-aimés, cette grâce inouïe d'être toujours plus en communion avec son Fils, mais nous serons des fleurs autour du trône de son Fils. Cela veut dire que la vie, la participation à la nature divine sera tout simplement pleine, parfaite, explosive. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus, comment pouvons-nous remercier Jésus pour tant d'amour, tant de grâce? Luisa demande, lui va lui offrir le sang de ses plaies, l'amour infini de son cœur, et remercier la très sainte Mère en lui offrant les remerciements même de Jésus, parce que nos remerciements sont faibles. Non seulement faibles, frères et sœurs bien-aimés, ils ne sont pas à la mesure de toucher le cœur de Dieu, simplement parce qu'ils sont des remerciements imparfaits des créatures. Mais si on demande à Jésus d'offrir, de donner ses propres remerciements à sa mère, en notre nom, alors notre remerciement devient divin, tout en nous appartenant pleinement. Parce que désormais Dieu et nous, nous ne faisons qu'un. Jésus et nous, nous ne faisons qu'un. Ô Jésus d'amour, sois béni éternellement. Sois notre mère, très sainte Vierge Marie, et ne permets jamais que nous transgressions le moins du monde les préceptes de ton Fils. Tiens-nous serrés contre Jésus, ton enfant, que nous ne nous séparions jamais de lui. Et, frères et sœurs, Jésus va davantage implorer le Saint-Père pour le salut des âmes. Et Luisa ici va nous entraîner dans une pratique qui très souvent caractérise ce cheminement avec Jésus dans la divine volonté. Jésus fait tout en nous, il est en nous, il vit en nous, et tout ce qui le concerne nous concerne, parce que notre vie et la sienne ne font plus qu'une. Et Jésus va voir son intelligence vénérée. Et nous demandons de tout notre cœur à Jésus de nous accorder cette grâce insigne de venir régner dans notre intelligence, de la guérir et de nous donner en vertu de ces douleurs qu'il ressent dans les épines, la restauration de nos pensées, qu'elles soient continuellement portées à le comprendre et à le contempler. Et nous savons combien l'intelligence humaine, frères et sœurs bien-aimés, est vacillante, combien elle saute du coq à l'âne, combien elle est constamment en train de brasser du vent et des vétilles, pour se donner une petite quiétude, d'être relativement supérieur. Combien de fois nous contemplons nos intelligences, nos pensées? Combien de fois nous sommes continuellement en train de croire que ce que nous pensons est la vérité, parce que cela vient de nous et que notre ego ne doit pas être blessé? Combien nos intelligences sont ainsi perverties, rouillées? Combien Jésus en souffre, frères et sœurs bien-aimés? Il veut que cette intelligence qu'il nous a donnée pour le comprendre, le connaître, soit assignée à sa finalité véritable, pour aimer et comprendre Dieu. Nous embrassons avec Luisa le regard de Jésus, et tout aussi couvert de sang, qui regarde nos âmes, qui regarde nos âmes, et que ce regard transperce jointure et moelle,
et rentre au très fond du cœur de notre cœur pour nous libérer de tout ce qui n'est pas agréable au regard de Dieu. Et nous prions, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus nous donne la possibilité de comprendre jusqu'où ses oreilles saintes et chastes attendent que nous les vénérions, que nous l'embrassions, pour qu'il entende nos prières et qu'il nous défende de nous éloigner de lui et de faire réparation à son cœur, ainsi continuellement, à ses oreilles, ainsi continuellement remplies de méchanceté et d'insultes, remplies de blasphèmes, alors qu'il ne veut écouter que le son agréable de notre amour. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, comment dire merci à Jésus? Comment dire merci à Jésus? Comment lui dire merci? Comment lui dire merci? Nous ne pourrons jamais lui dire merci pour tant d'amour, pour tant d'infinité de grâce. Nous demandons à la bouche de notre très saint Seigneur la beauté de son visage, que la beauté de son visage nous éblouisse et nous fasse que nous ne nous éprégnions que de ce visage divin. Et que notre vie soit en Dieu et que son visage se luise, rayonne et resplendisse sur notre propre visage. Que de la bouche de notre très saint Seigneur, nous entendions résonner toujours sa sainte voix. Et que cette voix transperce nos oreilles et touche nos cœurs. Et que la puissance de sa parole détruise en nous tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas amour. Nous embrassons et nous vénérons le cou de notre très saint Seigneur ainsi que son cœur en lui demandant de nous donner la grâce, frères et sœurs bien-aimés, de nous attacher à lui, que rien ni personne ne puisse nous en dégager. Nous vénérons et embrassons les épaules saintes de notre très saint Seigneur, fortes et constantes dans la souffrance, par amour pour nous, et nous lui demandons de tout notre cœur la force morale, la constance et la persévérance dans les épreuves. Par amour pour le Seigneur, sachant que les épreuves, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, produisent en nous la patience, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Car la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous embrassons la poitrine sainte de notre très saint Seigneur et nous lui demandons de communiquer en notre poitrine, en nos cœurs, les flammes ardentes de son amour brûlant, qui veut consumer toute chose et ramener, transformer tout en lui. Nous embrassons les mains saintes de notre très saint Seigneur, ces mains créatrices qui ont créé toutes choses et qui sont désormais, frères et sœurs bien-aimés, qui sont désormais cloués. Que ces mains recréent, du fait de cet abandon total au Père, recréent nos vies, recréent nos âmes, refassent nos existences dans sa divine volonté. Nous embrassons les pieds saints de notre Seigneur et nous le supplions humblement de ne nous jamais nous laisser seuls et que nous courions toujours vers lui et que nous nous fassions rien qui ne soit de lui et pour lui, et que nous ne nous éloignons jamais de lui, et qu'il nous donne la grâce de faire réparation de tout pour toutes les fois où nous avons fui, nous avons utilisé nos jambes pour fuir loin de lui, et que nous le soulagions de tout notre cœur des peines dont il souffre dans les pieds,
ces pieds infiniment saints qui ont parcouru nos rues humaines pour nous enseigner la parole de vérité. Et nous embrassons le sang très pur de notre très saint Seigneur et nous demandons à Jésus la grâce de nous embraser du feu de son amour qui coule et jaillit de ce sang divin. Et nous offrons adoration, réparation, que son sang soit pour toutes les âmes, lumière dans les ténèbres, réconfort dans la souffrance, force dans la faiblesse, pardon dans la faute, aide dans les tentations, protection dans les dangers, soutien dans la mort. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes véritablement, totalement, pleinement et parfaitement unis à notre Seigneur, si nous sommes capables de dire oui, aujourd'hui Jésus, je serai avec toi dans le paradis, nous avons déjà commencé la vie du ciel ici-bas. Oui, Jésus d'amour, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Faisons confiance au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Faisons-lui confiance. De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le où que tu ailles et il guidera tes pas. De tout ton cœur, fais confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Chapitre 3. Souvenons-nous, chantons. Proverbe 3.